Il s'est porté volontaire pour s'engager dans l'armée après avoir assisté à la mort d'un ami lors d'une attaque du Hamas. Mais ce volontaire de 27 ans n'a même pas eu le temps de passer 24 heures à Gaza. Au bout de quelques heures, le char dans lequel il se trouvait a été touché par un missile. Il y a perdu une partie de sa jambe. À l'intérieur du char, j'ai compris que vu l'état de ma jambe, je la perdrais. Mais ce n'est pas trop grave, je peux m'en sortir, il y a des prothèses. Si j'avais la possibilité de recommencer, je le ferais sans réfléchir. Au total, près de 2000 militaires israéliens ont été blessés. Si je compare avec les derniers événements et le nombre de personnes blessées au cours des 20 dernières années, ce chiffre est beaucoup plus élevé. Mais malgré ces pertes, le premier ministre Benjamin Netanyahou a exclu tout cessez-le-feu à Gaza. Quiconque pense que nous allons nous arrêter est détaché de la réalité. Nous ne cesserons pas le combat tant que nous n'aurons pas atteint tous nos objectifs. L'élimination du Hamas, la libération de nos otages et l'élimination de la menace qui pèse sur Gaza. Avec des méthodes qui sont jugées de plus en plus incontrôlées, l'armée israélienne est au cœur de vives critiques dans le pays après avoir tué par erreur 3 otages israéliens à Gaza. Salam alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé pour ce petit contretemps, malheureusement, petit souci technique. Voilà, je fais venir Monsieur Cohen. Bonsoir Monsieur Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Désolé encore Monsieur Cohen, je suis vraiment navré, on a pris un petit peu de retard, bon, c'est pas grave. Écoutez, au vu de ce petit court reportage, donc il y a quand même des pertes assez sévères du côté des soldats israéliens. Un peu plus que la normale de d'habitude, j'ai envie de dire. Et du coup, on voit quand même qu'il y a une résistance en face, malgré tout, sur le terrain. Tout à fait, oui. C'est assez, comment dire, enfin, c'est un peu étonnant, disons, surtout après les bombardements, mais apparemment, le Hamas et les autres groupes de résistance se sont très très bien préparés. Non seulement ils ont prévu le coup du 7 octobre, ils ont bien préparé le coup du 7 octobre, mais ils ont anticipé une intervention massive et donc ils se sont vraiment préparés. Puis ils n'ont plus rien à perdre. D'ailleurs, on a remarqué que les Israéliens n'ont pas fait un seul prisonnier du Hamas, c'est-à-dire un combattant. Donc en fait, ce sont des gens qui sont prêts à mourir, à se sacrifier, parce qu'ils savent que se rendre, il n'y a pas d'avenir quoi, pour eux. Je veux dire, la façon dont ils vont être traités. Donc, ils préfèrent vraiment aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on a vu des attaques de tanks, il y a un courage et une bravoure assez extraordinaires. Et il y a aussi le fait que les Israéliens méprisent tellement les Arabes et surtout les Palestiniens qu'ils considéraient toujours qu'une attaque contre le Hamas à Gaza serait presque une promenade de santé. Et là, ils se rendent compte que c'est vraiment le prix à payer très fort. Mais je ne crois pas beaucoup au fait qu'un effondrement du front intérieur. C'est-à-dire, il n'y aura pas, à mon avis, il n'y aura pas suffisamment de contestation contre le gouvernement. Parce que le pays se sent en guerre, c'est-à-dire se sent en danger, et donc c'est pas le moment. Il y aura peut-être quelques voix qui s'élèveront, mais je crois pas qu'il y aura un débat vraiment sur le fait d'y aller ou pas, parce qu'il y a un sentiment, en tout cas chez les Israéliens, que le pays joue sa survie. Bon, même si ce n'est pas vrai, mais enfin, c'est un peu comme ça que la propagande leur a vendu le conflit.
Et ils y croient, malheureusement. Alors que, bon, ils auraient pu très bien trouver un terrain d'entente pour les otages et une façon de combattre le Hamas d'une autre manière. Mais il est évident que si le gouvernement israélien accepte de payer ce prix fort, c'est qu'ils ont des objectifs beaucoup plus ambitieux. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de combattre le Hamas, parce qu'ils auraient pu le combattre différemment. Et c'est la première fois qu'ils tentent un nettoyage ethnique d'ampleur, non seulement d'ampleur, mais quasiment totale. Et en tout cas, qu'ils sont en passe, je ne dirais pas de réussir, mais quand même de mener, ils mènent leur plan, c'est-à-dire en détruisant plus de la moitié des logements, en détruisant tous les services publics, les écoles, les mosquées, les églises, tout ce qui tient debout quasiment, les universités, ils l'ont détruite. Donc, les hôpitaux, même si le conflit s'arrêtait, je ne vois pas comment des gens vivent, paraît-il, dans des conditions, il y a des images, c'est atroce. Surtout l'hiver en Méditerranée, il peut être assez, quand on n'est pas bien abrité dans des logements, avec un petit chauffage, ils sont dans la rue, ils sont sous des tentes, avec des couvertures, les pieds dans l'eau, c'est vraiment atroce. Et voilà, je ne sais pas est-ce que l'Égypte sera forcée d'ouvrir ses frontières, est-ce que la guerre que mène le Yémen contre les navires qui passent, obligeant la plupart des navires à passer par l'Afrique du Sud et non par le canal de Suez, qui risque de créer pas mal de problèmes économiques, donc de faire des pressions sur Israël. La situation, elle peut déboucher sur un apaisement, enfin en tout cas une trêve, soit sur une aggravation. C'est difficile à dire, voilà. Et en tout cas, c'est pour le Hamas, l'attaque du Yémen, qui venant du Yémen, c'est un cadeau du ciel quasiment, parce que Gaza n'a obtenu aucun soutien extérieur. En dehors de quelques bons mots et quelques millions, et encore faut-il que l'aide puisse arriver, parce que c'est ça le problème aussi, puisque l'Égypte ne laisse rien passer sans l'accord du geôlier israélien. Voilà, là il faut être réaliste. Voilà, on aura beau vouloir envoyer de l'aide monétaire, de l'aide médicale, si les Israéliens décident de fermer la frontière, eh bien, ils la ferment. Voilà. Et l'Égypte obéit. Malheureusement, c'est ainsi. Voilà. Et donc, cette aide, la seule qui, vraiment, enfin, en tout cas, à mon avis, parce que finalement, le Hezbollah, c'est plutôt l'Israël qui le pousse à la guerre. Tout montre que les Israéliens provoque le Hezbollah. Voilà, moi j'ai l'impression peut-être que les Israéliens, avec l'accord des États-Unis évidemment, tentent d'entraîner une conflagration, peut-être pas avec l'Iran, parce que ça risque, là il y a le risque est grand, mais par exemple ils risquent d'entraîner l'Iran pour allumer la mèche et ne pas la laisser s'éteindre, voilà en fait.
la crainte des Israéliens, c'est qu'ils n'arrivent, c'est que quelque chose les retient de mener à bien leur plan de nettoyage ethnique de Gaza. Voilà. Et donc, allumer l'Iran, le Liban, c'est une manière de détourner l'attention de Gaza et pouvoir mener à terme, parce que voilà, c'est évident que leur plan, le plan d'Israéliens, il est clair. C'est pas le Hamas, parce que le Hamas peut renaître ailleurs. C'est pas le problème. Et de toutes les façons, le Hamas, ils l'ont pas vaincu jusqu'à encore. Donc malheureusement, c'est le nettoyage ethnique qui attend la bande de Gaza. Alors peut-être que la diversion ou la pression exercée par le Yémen, notamment sur le plan économique quand même, c'est très important de bloquer le canal de Suez. Peut-être ça amènera, peut-être, je ne sais pas. C'est vraiment difficile de prévoir quoi que ce soit. Parce que certains disent que l'Amérique peut vouloir, mais ça paraît, enfin, parce que c'est pas l'Amérique qui décide, hein, c'est Israël qui décide pour l'Amérique. Alors justement, enfin, c'est compliqué, voilà. Ouais, justement, il y aura peut-être quelques questions à ce sujet. Là, je réagis à un commentaire déjà qui est sur YouTube. Et je vais poser une question avec ce commentaire. Donc, comme l'Algérie, la Palestine aura son indépendance, si Dieu le veut. Alors, est-ce qu'on peut comparer les deux mouvements, le Hamas et le mouvement du FLN qui a obtenu son indépendance? Non, ça n'a rien à voir. Non, pourquoi? Parce que il y avait 1 million de Français en Algérie contre 10 millions d'Algériens, ou 12 millions, enfin, peu importe. Alors que là, il y a un État juif, enfin, caricaturer, si vous voulez, pour simplifier, il y a un État avec son armée, et le Hamas, il est à l'extérieur. Si vous voulez, le FLN était à l'intérieur. Il combattait un occupant intérieur. C'est un peu comme si, à la limite, le parallèle peut se faire avec la Cisjordanie. C'est-à-dire, il y a un occupant extérieur qui est minoritaire dans un pays où la majorité lui est hostile. Ce n'est pas pareil avec Gaza. Gaza, les Israéliens envoient une armée, ou en tout cas une partie. Alors que en Algérie, comme en Cisjordanie, non seulement il y a une armée, mais il y a un certain nombre de colons qui sont minoritaires, mais qui ont le pouvoir. Et donc, si on veut faire le parallèle, ça ne sera pas avec le Hamas, mais avec la Cisjordanie. Le problème avec la Cisjordanie, c'est que Israël n'est pas un vrai occupant, dans le sens où c'est comme si le FLN avait en Algérie, à l'époque, accepté de créer une autorité, l'équivalent d'une autorité palestinienne, qui collaborerait avec l'armée française. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, en Cisjordanie, l'astuce des sionistes, c'est de faire croire qu'ils ne sont pas les occupants. Ils sont les occupants, mais ils sont pas vraiment occupants. Si vous voulez, qui maintient l'ordre? Qui organise? Il y a des ministres palestiniens, il y a une administration palestinienne, il y a des forces de sécurité palestiniennes, il y a des prisons palestiniennes, il y a un parlement palestinien. Donc, il y a une fiction d'État palestinien, ce qui n'existait pas. Ce qui fait que vous prenez les Palestiniens de Cisjordanie,
contre qui ils vont se battre pour obtenir leur indépendance. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas le drame des Palestiniens, à mon avis, en tout cas, ça a toujours été mon opinion, c'est de s'être laissé enfermé dans ces accords d'Oslo qui donnent l'illusion. Il n'y a pas une vraie lutte anticoloniale comme il y avait en Algérie. En Algérie, c'était clair, il y avait eu un occupant français, même une population, mais qui avait des privilèges et qui maintenait le pays sous leurs bottes. En Cisjordanie, ce n'est pas le cas. Voilà, Cisjordanie, il y a presque un État palestinien, presque. C'est ce presque qui rend les choses différentes, voilà. Et d'ailleurs, je veux dire, quand il y a par exemple l'armée sioniste rentre dans Jénine, dans Naplouse, malheureusement, c'est avec la collaboration des forces de sécurité palestiniennes. Ou en tout cas, un minimum, elles ne réagissent pas, elles laissent faire. Voilà, et non seulement elles laissent faire, mais elles répriment les résistances. Elles répriment le Hamas, elles répriment les militants du djihad islamique, elles répriment les militants du FPLP. Donc il n'y a pas un front uni anticolonial qui existe en Cisjordanie. Voilà. C'est pour ça que les situations ne sont pas pareilles. Oui, effectivement, ce n'est pas identique. Après, la question qui était posée, du moins la volonté dans le commentaire là, qui était émis, c'était de dire que, comme l'Algérie, la Palestine retrouvera son indépendance. L'avenir nous le dira, mais moi, je suis très, très pessimiste. Je ne miserai pas un centime sur une Palestine indépendante, enfin réellement indépendante, pas un Bantoustan, mais un État palestinien sur les frontières de juin 67, vous pouvez rêver. Enfin, je veux dire, elle n'a même pas une chance sur 1 million d'arriver. Voilà. Tout simplement parce que Malgré ce que dit la communauté internationale, malgré ce que disent l'ONU, l'Occident, la Russie, la Chine, personne n'y croit. Parce que, vous savez, il y a presque 1 million de colons en Cisjordanie, d'accord ? On n'est pas loin du million. Un État indépendant palestinien, ça veut dire que ce million quitte la Cisjordanie. Où est-ce qu'il va aller ? Et vous connaissez un État capable de faire bouger 1 million de sionistes, les faire sortir, ben je lui souhaite bonne chance. Voilà. Le mieux que peut obtenir aujourd'hui dans l'état actuel des choses, les Palestiniens de Cisjordanie, c'est un Bantoustan, c'est-à-dire une espèce de réserve indienne qui s'appellerait Palestine, avec un drapeau, mais sous le contrôle total d'Israël. Enfin, ça veut dire sous le contrôle des militaires, contrôle l'espace aérien, les ressources hydrauliques, enfin tout. Voilà, les entrées et sorties. Et donc, un État comme ça, et encore, ce n'est pas évident qu'ils l'obtiennent. Voilà. Et d'ailleurs, à mon avis, l'autorité palestinienne, elle fait semblant de croire qu'elle aura un État, mais c'est pour ça que moi, j'ai un très, très grand mépris pour ces gens-là, pour l'autorité palestinienne. C'est vraiment des collaborateurs, c'est des harkis abjects. Voilà, je veux dire, OK, vous ne voulez pas vous battre, dégagez. Voilà, vous partez. Vous partez, vous dites... Il n'y a plus d'accord d'Oslo, on ne veut pas. On veut que Israël devienne le vrai occupant de la Cisjordanie, que le monde entier voit l'occupation
et partez, dégagez, disparaissez. Vous n'avez pas la force de combattre, vous n'avez pas la force de résister, partez. Or, ce sont des gens qui s'en mettent plein les poches. Voilà, c'est ça qui est dramatique. Ce sont des gens qui gagnent 5 000, 10 000 dollars par mois, 15 000 dollars par mois. Voilà. Alors oui, alors bon, je n'avais pas accès à mon micro, je voulais juste réagir. Donc, quand on voit que là, Israël continue et agit en toute impunité et que malgré la tentative de certains pays de vouloir obtenir un cessez-le-feu, on l'a vu que les États-Unis ont mis leur veto et que voilà, la question c'est, hey, les États-Unis sont sous contrôle ou comment dirais-je, je vous ai vu là dernièrement dans une vidéo avec le général de la Ward qui nous parlait justement des institutions et de la plus jusqu'au plus haut niveau des États-Unis qui étaient justement pas infiltrés et contrôlés un petit peu par l'État sioniste. Donc oui. Donc la question c'est on comprend mieux aujourd'hui pourquoi aucun État ne peut même s'opposer à Israël aujourd'hui. Non, aucun État, non. Je veux dire, la Russie n'est pas infiltrée par le lobby sioniste. La Chine n'est pas infiltrée, etc. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas infiltrés. Les États-Unis sont infiltrés, la France, l'Angleterre, etc. Bon, d'accord. Ça, c'est autre chose. Ils sont infiltrés, donc ils ont des milliers d'agents, c'est-à-dire de nationaux, qui occupent des positions importantes dans tous les secteurs névralgiques, stratégiques, importants, comme les médias, la politique, le cinéma, la presse, la télévision, l'économie, la publicité, l'édition. Je vais vous donner par un exemple. Les éditions Fayard ont suspendu le livre d'Ilan Pappé sur un opposant sioniste israélien sur les nettoyages ethniques. Enfin, on peut citer Maurice Lévy, le président de Publicis, qui contrôle 50% du marché publicitaire en France et qui fait la leçon à la télévision française. Et on comprend que le message qu'il donne, c'est que, attention, je contrôle 50 à 60% du marché publicitaire, donc s'il y a un journal ou une institution, etc., qui veut faire le malin, eh ben, vous allez avoir affaire à moi. Bon. Donc, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que tenez, cette semaine, j'ai posté un article. L'IPAC, vous savez, il y a une, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la politique américaine, il y a une femme de couleur, je crois qu'elle est musulmane, mais je ne suis pas sûr, Tlaïm, je crois, malheureusement, le nom ne me revient pas vraiment, qui a été élu, je ne sais plus dans quel état, et à la Chambre des représentants. Bon, c'est une des très, très rares opposantes à Israël. Voilà. Et bien, l'IPAC a mis 20 millions d'euros pour son adversaire pour la faire battre. C'est-à-dire que depuis des années, dès qu'il y a à quelqu'un qui veut se présenter au Sénat ou à la Chambre des représentants et qui n'est pas favorable à Israël, l'IPAC finance, vous savez, aux États-Unis, l'élection, enfin en tout cas, en très grande partie, se fait avec le fric. Parce que vous payez de la publicité à la télé, les tracts, etc., etc. Bon. Et donc, l'IPAC agite toujours cette menace financer un adversaire. Cela étant, vous savez, ce qu'on appelle les néocons, les néoconservatifs, ceux qui ont planifié la destruction de l'Irak, de la Syrie, de la Libye, ce sont ou des juifs sionistes, américains sionistes,
soit des alliés indéfectibles. Donc, ils étaient déjà au cœur du pouvoir, au niveau stratégique du ministère de la Défense, etc. Et donc, en fait, c'est tout un système américain qui est infiltré. Regardez par exemple le monde du cinéma, de la télévision, de l'économie. Juste pour une idée comme ça qui me vient, mais il y a tellement d'exemples. Vers 2005 ou 2010, il y avait le vice-président de la Réserve fédérale, ça veut dire la Banque centrale américaine, qui était juif, qui était américain et qui était nommé président de la Banque d'Israël. Donc vous imaginez un type comme ça, toutes les connexions, les réseaux qu'il a. Sans compter, ça me vient, Epstein, c'est un agent du Mossad. Un type comme ça, vous savez, il a échappé à tout. Il y a un type qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Xavier Hofer. Bon, je n'ai pas lu le livre, mais j'ai entendu une vidéo à lui. Et il disait, c'est incroyable ce type, il a détourné des millions, il a joué, enfin, n'importe quel autre citoyen aurait été mis en prison, aurait été condamné. Lui, il a échappé à tout. Donc, il avait des protections absolument fantastiques. Bon. Et toutes les vidéos qu'il a tournées, c'était un ami aussi d'Ehud Barak, un ancien premier ministre, un chef du Mossad aussi, enfin, lié au Mossad, etc. Donc, imaginez le chantage que peut faire le Mossad avec pas mal de gens en Occident. Donc en fait, et puis il y a aussi le côté état voyou d'Israël. Par exemple, vous savez que les Israéliens ont bombardé un navire qui s'appelle le Liberty en 67, pendant la guerre de 67. Ils ont tué 40 civils américains et ils ont failli couler le navire avec 300 personnes. Bon. Mais quand ils sont revenus, ces gens-là, on leur a interdit de dire que c'était les Israéliens qui les avaient bombardés. Donc, en fait, les Israéliens ont réussi, enfin, en tout cas, le lobby judéo-sioniste a réussi, avec 10 ou 15 000 Sayanim, a réussi à infiltrer tous les rouages du pays sur le plan économique, médiatique, etc. Et donc, ben, fatalement, c'est d'ailleurs, il y a deux grands universitaires américains, dont l'un s'appelle Mersheimer. Pour ceux qui comprennent l'anglais, il fait souvent des vidéos très intéressantes. Mersheimer, c'est lui qui a dévoilé que le gazoduc avait été détruit par des services américains. Bon, il a écrit un livre il y a 10-15 ans, où ils m'ont démontré que la politique étrangère américaine était, contrôlée par le lobby sioniste. Donc, en fait, à la limite, on peut dire que est-ce que Biden a les mains libres pour dire on arrête les frais, on dit à Israël d'arrêter. C'est pas sûr, hein. Loin de là. Alors, est-ce que l'administration Biden est sous contrôle comme... Ma question, c'est est-ce que l'administration Biden a moins les mains libres qu'aurait pu l'avoir l'administration Trump, par exemple? Pas du tout. Vous savez, Trump... Non, mais je vais vous dire. Trump avait essayé en 2016, pendant la campagne électorale. Moi, je me souviens de ça. Il avait un discours très équilibré. Il avait dit une fois, dans un discours, je me souviens, je l'avais entendu, c'était absolument incroyable, il avait renvoyé Israël et les Palestiniens dos à dos. Il avait dit, il y a eu de telles pressions sur lui qu'il a été obligé
on lui a fait comprendre que s'il voulait vraiment garder des chances d'être élu, il devait changer de discours. Et il a changé. Et d'ailleurs, le fait est que c'est le premier président américain à avoir reconnu la souveraineté d'Israël sur Jérusalem et la souveraineté d'Israël sur le Golan. C'est-à-dire qu'il a compris que le lobby sioniste, il vaut mieux l'avoir avec que contre. S'il voulait vraiment avoir les coups des franches dans sa politique ailleurs, il ne fallait surtout pas qu'il ait le lobby sioniste sur le dos. Et donc, il a tout fait, tout, pour se plier aux exigences sionistes. Mais malgré lui, voilà. Et donc, les prochaines élections américaines, si on revoit l'administration Trump arriver, ça ne changera pas grand-chose à ce qui se passe. Sur le plan pour Israël, d'ailleurs, Barack Obama, il avait signé un accord avec l'Iran. Il a été à l'origine d'un accord avec l'Iran. Donc, c'est un accord que les Israéliens n'avaient jamais accepté, n'avaient jamais toléré, parce qu'il permettait à l'Iran de se développer économiquement, énergétiquement, etc., avec un contrôle strict de son arsenal nucléaire. Qui a dénoncé cet accord? C'est Trump. Voilà, donc, non, c'est vraiment... Bon, ça ne changera pas le nouveau pouvoir. Ça ne changera pas. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment les sénateurs et les représentants sont, je ne sais pas à quelle majorité, mais ils sont pro-israéliens. Enfin, c'est juste incroyable. Voilà. Je répète quand même pour les auditeurs, si jamais vous voulez interagir, n'hésitez pas, que ce soit sur Twitter ou sur les autres plateformes, je vous avais mis le lien. Il y avait une question sur le chat, je vais vous la poser, concernant cet éventuel effondrement économique des États-Unis, conflit avec l'Ukraine, Taïwan, le BRICS. Est-ce que ça peut remettre en cause la suprématie d'Israël au Moyen-Orient? Ça peut, effectivement. C'est-à-dire que c'est par l'économie les choses peuvent évoluer. C'est-à-dire les États-Unis vont perdre de leur superbe, sont en train de perdre de leur superbe. Ils ont perdu. Enfin, ça est la défaite en Ukraine qui est actée. Hein. Je veux dire, on peut pas. C'est pas la peine de. Voilà, ils font semblant. Mais la défaite en Ukraine est une gifle énorme contre l'Amérique et contre l'OTAN. Bon. Et encore, ce n'est pas fini, parce que la défaite va être de plus en plus dure à avaler et ils ne peuvent même pas s'arrêter aujourd'hui parce qu'ils sont allés trop loin. Bon, aussi, les États-Unis, par exemple la Chine, s'est débarrassée de pas mal, elle avait des obligations, c'est-à-dire elle avait acheté des bons du Trésor américain. Bon. Mais elle a quasiment revendu le tiers ou la moitié. Donc le dollar est en train de perdre de son influence. Ça ne se voit pas encore, mais ça va se voir assez rapidement. Il y a le clan des BRICS qui va se renforcer dès 2024 avec 11 pays. Et donc, il est certain que la situation en Israël est très difficile sur le plan économique. C'est-à-dire, l'économie s'est arrêtée quasiment. Il n'y a plus de tourisme, alors que c'est un petit pays qui accueille jusqu'à 5 millions par an. Il n'y a plus d'investissement. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui, au lieu d'aller travailler, vont faire la guerre. La monnaie a perdu beaucoup de sa valeur. Il y a des manipulations boursières contre la monnaie israélienne. D'ailleurs, ce qu'on ne dit pas, mais je l'ai appris de sources sûres, c'est que 2-3 jours avant l'attaque du 7 octobre, il y a des milliardaires qui ont joué
comment dire, qui ont joué la chute de la bourse israélienne. Ça veut dire qu'ils étaient au courant. C'est comme le 11 septembre, hein, il y avait des gens qui avaient joué, ils savaient. Donc, ils avaient joué en bourse la perte, ils avaient anticipé la chute de la bourse new-yorkaise. Et donc, il est certain que, et je vois mal comment les Américains pourraient, à un moment donné, je ne sais pas, ça va être de plus en plus dur. Ils ont déjà, je ne sais pas, 35 000 milliards de dettes. Si l'économie israélienne s'effondre, je ne sais pas comment ils pourraient la porter à bout de bras. Bon, déjà qu'ils leur donnent 4 à 5 milliards par an, ils leur ont donné 14 milliards, enfin bon. Donc, c'est vrai que par l'économie, par les BRICS, par la protection que peuvent donner les BRICS à certains pays, par exemple comme l'Arabie Saoudite, qui n'oserait pas, par exemple, même si, il ne faut pas se faire d'illusions, l'Arabie Saoudite, ces dernières années, a mené une politique quasiment complice, mais de manière officieuse, avec Israël. Donc, ils s'étaient entendus sur pas mal de choses, etc., sur le Yémen et tout. Mais quand même, le rapport de force global, mondial, est en train de basculer. Et en défaveur d'Israël, parce qu'Israël est ancré dans le camp occidental. Et donc, il est probable, mais ce sont des choses qu'on ne verra pas avant 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc. Voilà. Mais c'est sûr que ça aura de l'influence. Voilà. D'accord, on va faire. Je vais donner la parole à Philippe qui vient d'arriver. Bonsoir Philippe. Bonsoir Monsieur Cohen. Merci beaucoup encore pour toutes ces chroniques hebdomadaires et la possibilité aussi d'interagir avec vous. Alors moi, je me permets de rebondir sur ce que vous avez souligné tout à l'heure concernant le lobby pro. Une des meilleures lectures de jeunesse, John Mersheimer et Stéphane Walt. Et, en fait, à partir du début des années 2000, quand j'étais jeune lycéen, hein, j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais sur ces sujets-là. Et je me suis aperçu d'une chose, après quelques années de lecture, c'est que lorsqu'on analyse le lobby pro-Israël et ses relais, donc aux États-Unis, en Angleterre, en France, etc., les méthodes sont souvent les mêmes, mais un mystère reste en suspens. Et si vous pouviez m'éclairer, M. Cohen, je serais ravi. C'est l'efficacité du lobby pro-Israël. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est la manière dont ça fonctionne. Quand on regarde aux États-Unis, en Angleterre par exemple, Jeremy Corbyn, bon, vous me direz si je me trompe ou pas dans l'analyse, mais pour ma part, c'est le lobby pro-Israël qui l'a liquidé. Mélenchon, ce qui est en train de se passer en France, ben, c'est principalement le lobby pro-Israël qui essaye de le liquider. Bon, aux États-Unis, je parlais de l'exemple de Rachida Tlaib, je crois que c'était ça son nom, qui est d'origine... C'est le nom que je cherchais, voilà. Oui, voilà. Et j'ai vu aussi l'article qui a été relaté dans la presse francophone par l'Humanité, que j'ai relayé aussi. Donc oui, très rapidement, ma question concerne l'efficacité. D'où vient cette efficacité? Qu'est-ce qui fait que ce lobby, par rapport au lobby congolais, brésilien, mexicain, chinois, russe, ou tout ce que l'on veut, est plus efficace? Et surtout, il est plus efficace dans tous les pays. En fait, c'est ça qui est de fascinant. C'est que les voiles sont visibles, mais moi, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ce lobby est beaucoup plus efficace que d'autres lobbies comme le lobby LGBT ou d'autres. Voilà. Merci beaucoup, M. Cohen. Okay. Alors, je vais vous expliquer. Les lobbies extérieurs, mettons par exemple, Monsanto peut créer un lobby à Bruxelles. Voilà. Et c'est un lobby qui est connu. La particularité du lobby israélien, ce sont les Sayanim. C'est-à-dire. Vous avez en France, par exemple, mettons 4 000 à 5 000 personnes, 4 000 à 5 000 personnes qui sont juives, qui sont françaises et qui sont intégrées dans la société française, qui sont journalistes, qui sont directeurs de médias, qui sont politiciens, députés, qui dirigent des sociétés de publicité, enfin, qui dirigent des maisons d'édition. Qui dirigent le cinéma. Et donc, ces gens-là,
ne vont pas intervenir en tant que lobby extérieur, visible. Ils vont intervenir à l'intérieur de la société. Ça veut dire que personne ne se rend compte de leur exercice, de l'exercice de leur pouvoir. C'est-à-dire, par exemple, mettons, on va prendre un exemple concret. Il y a en France ce qu'on appelle la commission d'avance sur recette pour faire un film. Tous les films sont financés à 90% par cette commission. Bon. Eh bien, le lobby a réussi à placer Bernard-Henri Lévy à la tête de cette commission pendant 20 ans. C'est-à-dire que quand Dieudonné a voulu faire un film sur l'esclavage, on lui a dit non. Mais en fait, extérieurement parlant, on n'a pas l'impression qu'il y a un lobby. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, mais parce que ça vient de l'intérieur. Par exemple, quand Dieudonné a fait son sketch, eh bien, trois jours après, le lobby a fait jouer ses relations, puisqu'il a des relais dans les banques, dans les maisons de production, partout, là où c'est important. Eh bien, ils ont réussi à faire annuler un spectacle à Lyon. Voilà l'action. Par exemple, Stéphane Blais, qui était un génial pianiste, eh bien, c'est Sayanim qui sont infiltrés dans les centres de pouvoir névralgiques, les maisons de production, les banques, etc. On fait en sorte que Stéphane Blais n'ait plus de contrat pour jouer dans les grandes salles. Voilà. Et n'ait plus de contrat avec les maisons de disques. Et donc, c'est un message qu'ils envoient aux autres. Ça veut dire que si vous critiquez Israël, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez être banni, vous allez perdre votre job, etc. Donc, c'est comme ça, c'est ça leur efficacité. C'est une efficacité extrêmement redoutable. Parce qu'ils agissent, ils sont, comment dire, ils se sont infiltrés dans tous les secteurs de la société, les secteurs de pouvoir névralgique. Tout à l'heure, j'ai cité le président de Publicis. Publicis contrôle 50 à 60% du marché publicitaire en France. Et pour moi, c'est un saïan. C'est-à-dire, bon, voilà, il obéit aux instructions du Mossad. Est-ce que vous imaginez le pouvoir qu'il a, ce type? Je veux dire, il peut couper les vivres à revue, etc. Et donc, ils instaurent un climat de terreur dans tous les secteurs. Ils disent, oulala, le lobby, il vaut mieux ne pas y toucher. Donc, déjà au départ, tous ceux qui critiquent, ils se disent, il vaut mieux ne pas y toucher parce que c'est de la dynamite. Et c'est ça qui… Jérémy Corbyn, c'est un juif, était président du Parti travailliste. Il aurait dû devenir Premier ministre. Eh bien, ils ont réussi à le dégager, mais de l'intérieur. Ce n'est pas un lobby qui l'a fait dégager. C'est ça que j'aimerais vous faire comprendre. Ce n'est pas un lobby de l'extérieur qui a fait pression sur le gouvernement. Pas du tout. Non, non, non. C'est le Parti travailliste qui a dégagé son chef. Donc, on a manipulé ceux qui contrôlaient le média. Par exemple, il ne faut quand même pas oublier que un des grands pontes des médias, Maxwell, dont la fille était la copine de… Comment elle s'appelle? Enfin bon, Maxwell qui est en prison aujourd'hui, enfin, qui était d'Epstein. Son père était un agent du Mossad, c'était un Sayan. D'ailleurs, c'est le Mossad qui l'a liquidé parce qu'il devenait un peu gênant. C'est écrit dans un livre de Gordon Thomas. Bon, mais en tout cas, bon. Donc, imaginez ce mania de la presse qui est anglais. Ce n'est pas un lobby. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut rien contre Maxwell. C'est un anglais. Il est pur anglais. Donc, il agit en tant qu'anglais. On n'a pas l'impression que c'est un lobby extérieur.
pas du tout. C'est un Anglais qui prend des positions pro-israéliennes, c'est son droit. Voilà. Et donc, c'est ça leur force. Ça veut dire qu'ils ont placé des milliers, des dizaines de milliers de gens, comme par exemple l'industrie du cinéma à Hollywood, elle est infiltrée, ça veut dire aucun film qui serait critique contre Israël ne peut sortir. Par contre, on a fait des films à la gloire d'Israël, comme Exodus. Donc, voilà, et c'est pour ça que cette force est quasiment impossible à battre. Voilà. Monsieur Cohen, Philippe, peut-être voudrait réagir. Philippe. Oui, merci beaucoup, Monsieur Cohen. Alors, j'invite déjà tous les auditeurs à vraiment lire les livres de Monsieur Cohen, parce que bon, c'est vrai que sur les Sayanim, bon, moi, j'ai beaucoup aimé votre dernier livre aussi sur les nouvelles judéo-maghrébines. Non, sur les Sayanim, je pense que c'est assez clair. Mais le plus important, je pense, et c'est là où j'ai un peu de mal à saisir, c'est que si on regarde l'architecture du lobby, parce que le lobby aussi s'incarne par des organisations. Bon, tout à l'heure, on avait parlé de l'IPAC, il y a l'IDL aux États-Unis, la LICRA, les étudiants juifs de France, le CRIF, bien sûr. Mais moi, en fait, je voulais savoir quel était votre avis sur le type de solution. Parce que pour les Sayanim, c'est vrai que c'est très difficile. Si on regarde le droit français traite de la trahison et de l'espionnage, il y a de nombreux articles dessus. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez pour traiter la question des Sayanim. Et la deuxième, pourquoi ces organisations ne sont pas estampillées Israël. C'est-à-dire que moi, quand je regarde BFM TV, je pense qu'il serait utile que les Français ou l'espace francophone soient au courant du fait que M. Drahi a renoncé à sa nationalité française. Donc, pourquoi est-ce que vous pensez que ces Sayanim-là empêchent finalement le fait de mettre le nom Israël sur ce type d'organisation? Mais oui, la force des Sayanim, c'est que BFM passe pour une chaîne française. 100% française, bleu, blanc, rouge. Voilà, personne, il ne viendrait à l'esprit de personne, c'est-à-dire, il ne viendrait à l'esprit de personne. C'est qu'ils ont mis dans la tête des Français que si quelqu'un osait dire « Oulala, Drahi est israélien, il n'a pas le droit », alors là, c'est la levée de boucliers antisémites, etc. Évidemment, si c'était un arabe qui aurait osé acheter une chaîne télé, alors ça aurait été la levée de bouclier, certain. Mais un juif, il bénéficie de... parce qu'il y a des relais. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des traîtres. Au sens... Enfin, non, il y a des traîtres. Par exemple, ceux qui ont... Vous savez, les vedettes de Cherbourg, que le Mossad avait réussi à faire sortir au nez et à la barbe du général de Gaulle, qui avait placé ses vedettes de Cherbourg sous embargo. Bien sûr, celui qui l'a fait, c'était un Sayan. Et donc, il a trahi la France. Bien, mais c'est un cas à part, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, la force des Sayanim, c'est que ce sont des citoyens français qui agissent en tant que citoyens français. C'est-à-dire un éditeur qui signe un contrat d'édition avec Marion Sigaud pour son livre du kibbutz à l'intifada, et puis après, il a dû recevoir quelques coups de fil, et qu'il appelle et qu'il lui dit « le livre ne sortira pas ». Donc en fait, ce n'est pas un lobby… D'où vient la force du CRIF? Le CRIF n'est rien. Le CRIF n'a de la force que parce qu'il y a 4000 à 5000 Sayanim derrière. L'IPAC, sa force vient du fait qu'il y a 10 000 Sayanim américains qui font le travail de terrain, qui font le travail d'infiltration au niveau de la banque, au niveau des ministères, au niveau du cinéma, au niveau de la télé, des universités, etc. etc. Par exemple, prenez Norman Finkelstein. Voilà. C'est un opposant à Israël. Eh bien, à chaque fois, il a les diplômes nécessaires pour enseigner à l'université. Mais chaque fois qu'il avait un poste, eh ben on appelait le doyen de l'université, on lui disait, écoute, tu sais, les subventions pour ton université, elles risquent de baisser, etc. Bon, eh ben le doyen, il rompait le contrat. Mais si vous voulez, c'est un travail... qui se passe dans les coulisses.
dans le jeu de pouvoir normal. Je ne sais pas si je me fais comprendre, enfin moi ça me paraît assez clair. C'est-à-dire, il n'y a pas de... C'est pas l'AIPAC qui intervient, voilà. C'est pas l'AIPAC qui est intervenu pour, comment dire, dégager Norman Finkelstein. D'accord ? Voilà. Norman Finkelstein, il a été dégagé par des gens de l'intérieur des universités, etc. Enfin, voilà, je ne sais pas si... là, par exemple, quand, dans le printemps des Sayanim, bah, vous l'avez lu, vous avez vu comment, par exemple, il y a une loge judéo-sioniste au sein du Grand Orient de France. Bon, voilà. C'était quoi le nom la paix, quelque part, vous avez le mot de paix. Pardon ? J'ai dit, je ne me souviens plus du nom de la loge, c'était quoi, l'étoile et la paix, quelque chose comme ça, il y avait l'étoile de la paix. Bon, en fait, pour tous les francs-maçons du Grand Orient, c'est une loge normale, d'accord ? Mais en fait, personne n'irait dire, parce qu'elle n'agit pas en tant que lobby. Elle est rentrée de l'intérieur, c'est des francs-maçons de l'intérieur qui créent une loge. Et même qui disent, nous créons une loge pour favoriser la paix, et etc. Donc, c'est ça aussi. Et donc, mais ils font de la propagande pour Israël. C'est-à-dire, chaque année, ils organisent un voyage. Ils emmènent 200 personnes, 300 personnes. Et voilà. Et donc, c'est du travail de l'intérieur. On ne peut pas, comment dire, c'est difficilement détectable. C'est ça ce que je veux dire. Voilà. On ne peut pas, à moins, il y a peut-être un cas particulier comme ça, comme pour les vedettes de Cherbourg. Mais sinon, ce sont des Français normaux qui comment dire, qui aident Israël dans le cadre de leurs fonctions. C'est-à-dire, par exemple, que quand vous faites du cinéma, ben, je ne sais pas si vous remarquez, moi je remarque en tout cas, parce que ça me frappe, cinéma français, il y a de plus en plus de Juifs qui deviennent metteurs en scène, acteurs, etc. C'est-à-dire, par rapport au pourcentage de la population, c'est pourquoi ? Parce que ben, ils se favorisent entre eux. Bon, il y a les Toledano, il y a les Azuelos, etc., etc. Enfin, il y a des Timsit. Eh bien, voilà le travail. Ça veut dire que c'est un travail, même si vous faites une enquête policière, vous ne pourrez rien prouver. Mais, voilà, ils s'infiltrent et ils poussent, et parfois, ils reçoivent une instruction du Mossad, par exemple. En 2006, le Hamas avait gagné les élections démocratiquement en Palestine. D'accord ? Bien. Et moi, à l'époque, je connaissais déjà l'existence des Sayanim et j'analysais la politique, l'actualité à travers le prisme des Sayanim. Et quand le Hamas a gagné les élections, il y a eu une espèce de tous les médias, les hommes politiques, tout le monde a crié. On ne peut pas négocier avec le Hamas. On ne peut pas négocier avec le Hamas. Et moi, je me suis dit, ça, c'est le Mossad qui a appuyé sur un bouton et il a dit à ces dizaines de milliers d'agents, dites, on ne peut pas négocier avec le Hamas. Et on avait l'impression que ça sortait de c'était des Français qui le disaient. On pouvait pas les accuser d'être des agents israéliens. Et bien, 48 heures après, aucun homme politique européen français ou européen, n'avait osé dire, ben quand même, finalement, le Hamas, on peut quand même lui demander ce qu'il veut. Voilà, parce qu'on a implanté cette idée, mais c'est venu d'une instruction du Mossad. C'est ça, voilà l'efficacité absolument redoutable. Enfin, c'est fantastique comme organisation. Enfin, je veux dire, ça date On prend une dernière question, si tu veux. Oui, parce que je crois que c'est quand même... J'ai fait une émission de 2 heures. Ouais, pas de souci. Alors, je vais donner la parole à... Excuse-moi, Philippe, peut-être que tu pourras rebondir après, mais je vais donner la parole à Fiteh, qui est avec nous sur YouTube. Bonsoir. 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 Voilà, vous m'entendez bien, ça va ? Ça passe bien ? Oui. Voilà. Moi, je voulais poser une question à M. Cohen. Oui. De ce qui se pense, de ce qui pense, de ce qui va se passer entre le futur conflit entre l'Égypte
et l'Éthiopie sur le barrage, hein, le méga barrage que l'Éthiopie va installer. Donc le Nil, il va se retrouver à sec. Et il y a eu des négociations qui ont été faites. La dernière, c'était hier. L'Égypte a claqué la porte. En gros, c'est voilà, on va vous attaquer. Quoi. Voilà, on n'est pas d'accord sur les accords. Et comme ce sont deux pays qui sont côtiers de la mer Rouge, comme par hasard la mer Rouge, où l'OTAN a envoyé tous ses bateaux pour dégommer les Yéménites. Ne pensez-vous pas qu'il y a un accord entre ces pays-là, justement, pour prendre la région, quoi. Il est possible qu'on fasse jouer cette rivalité. Oui. C'est un conflit, mais d'abord, je vous rappelle que l'Éthiopie a perdu tous ses accès à la mer Rouge. Vous savez que l'Éthiopie a perdu l'Érythrée, la province de l'Érythrée. Et voilà, c'est-à-dire c'était une province séparatiste et elle a été obligée de signer un accord et elle a perdu ses accès à la mer Rouge. Ben, j'espère ne pas dire des... Enfin, il faudrait que je revoie la carte, mais je sais que l'Éthiopie a perdu. Elle avait un conflit dans les années 90 très, très dur avec l'Érythrée. Et l'Érythrée a... Enfin, finalement, elle a été obligée de signer la paix en renonçant à sa côte. À l'Érythrée, c'est l'Érythrée qui occupe qui est sur la rive, enfin... Et donc, en fait, je crois que ça remonte jusqu'au Soudan. C'est une histoire, le Nil, c'est un problème qui implique et le Soudan, et l'Éthiopie, et l'Égypte. Moi, je ne crois quand même pas que ça arrivera un conflit militaire. Enfin, ça m'étonnerait. Je ne vois pas l'intérêt d'un tel... Enfin, c'est difficile pour l'Égypte, c'est vrai que c'est difficile parce que bon, il y a quand même le Nil et c'est vital pour l'Égypte. Donc je connais pas très bien le dossier, mais je crois pas quand même qu'on puisse arriver à un conflit militaire, parce que l'Éthiopie a beaucoup de problèmes par ailleurs. L'Éthiopie cherche à reprendre une issue vers la mer et elle est même prête à utiliser, peut-être maintenant elle est devenue un peu plus forte militairement, contrairement à l'époque où elle s'était fait humilier par les Érythréens. Et donc elle cherche à récupérer une issue vers la mer Rouge. Quitte à utiliser, elle a menacé d'utiliser les armes. Bon, donc, avec ce qui se passe aujourd'hui en mer Rouge, bon, peut-être qu'il y aura des manipulations, je ne sais pas ce qui peut vraiment arriver. Mais sur le plan pour le Nil, à mon avis, ils trouveront un modus vivendi, parce que je vois mal ces grands pays entrer en guerre. D'ailleurs, qui risque de menacer même les barrages. Enfin, voilà. Bon. Ok, très bien. Merci, Monsieur Cohen. Juste une dernière question qui a été posée par Pascal Pro. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Ah, tout à fait. Tout à fait. J'espère vous condamnez le Hamas? J'espère que vous allez lui transmettre, parce que j'ai pas envie d'avoir des histoires. J'ai pas envie d'avoir les flics chez moi à 6h du matin. Bon, ben merci. Alors, pour les. Bonne soirée à tous. Désolé, M. Cohen s'en va. Donc, merci encore à vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée, okay. Monsieur.
Voilà les amis, donc merci, désolé pour voilà, c'est Monsieur Cohen, hein, il faut respecter, 79 ans, il est présent tous les jeudis avec nous, il nous fait l'honneur de rester au moins une heure, donc voilà, on respecte et on lui donne rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine. Et pour les autres intervenants ou les comment dire, les questions qu'il y aurait à poser, ben, gardez-les pour la semaine prochaine et il répondra sans problème. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous normalement jeudi prochain. Si un autre intervenant, peut-être avant, on verra. Voilà. Excellente soirée à vous. Salam alaikum.